Merci, Monsieur le Président. Nous voyons que nous prenons du retard et je voulais signaler à la Chambre que M. Saïssem doit impérativement rentrer chez lui ce soir. Donc voilà, je m'interroge sur la possibilité de prolonger l'audience de cet après-midi pour lui permettre de respecter les engagements qu'il a demain et faire en sorte qu'il puisse rentrer chez lui ce soir. Monsieur le Président, Monsieur le Président, je vais essayer d'être plus bref, Monsieur le Président. Monsieur Saïssen, était-ce le rôle de garde de sécurité comme Petit-Douche ou les autres d'escorter les prisonniers à l'exécution? Est-ce que c'était le rôle des gardes de sécurité du groupe de gardes en tant que subordonnés d'exécuter les prisonniers à Krang Thai Chan, qu'ils soient hommes, femmes ou enfants? Si c'était les soldats qui s'occupaient de ces actions, est-ce qu'on peut dire que les gardes de sécurité ou les soldats, qui étaient donc des subordonnés à Krang Thai Chan, étaient chargés d'accomplir toutes les sales besognes à Krang Thai Chan, comme frapper les prisonniers lors des interrogatoires ou les exécuter? Je voudrais revenir sur ce que Sao Tseng a dit hier à l'audience, hier après-midi vers 14h18. Voilà ce qu'il a dit, je cite. Pour ce qui est de l'exécution d'enfants à Krang Thai Chan, je dois apporter la précision suivante. Dans l'enceinte de Krang Thai Chan, il n'y avait pas de palmier. Il n'y avait pas de palmier dans l'enceinte, mais loin de l'enceinte, il y avait effectivement des palmiers. On fabriquait effectivement du jus de palme dans les villages au nord et au sud de l'enceinte. Fin de citation. Il semble aussi que Sao Tseng n'a pas clairement répondu sur le fait que vous étiez chargé de recueillir le sucre des palmiers à sucre pour en faire du vin de palme. Par contre, Sorn, son cousin, le messager, a confirmé que c'était votre rôle. Alors, vous qui montiez aux palmiers à sucre, est-ce qu'il y avait des palmiers à sucre sur lesquels vous grimpiez à l'intérieur du premier périmètre de Krang Thai Chan, près des bâtiments? Et si oui, où se trouvait-il à l'intérieur du périmètre? Bạn mền vì muốn
ក្នុងគុកក្រាំងច័ន្ទនៅកន្លែងសម្លាប់ពីខាងបងគុកនោះគាត់មានដើមថ្នោតដែរប៉ុន្តែដល់នឹងពេញទៅយកមកសម្លាប់នៅភូមិខាងលិចក្នុងគុកនេះគ្រាប៉ុន្តែពីខាងលិចមកតាពេងខ្ញុំធ្វើថ្នោតនៅខាងលិចមកតាពេងហើយគេយកសម្លាប់នៅគល់ថ្នោតនឹងគល់ថ្នោតខ្ញុំធ្វើនឹងខ្ញុំនៅវិលើចុងថ្នោតគាត់នៅពីក្រោមសម្លាប់ក្មេងបាទមានពិតប្រកបដល់ថ្នោតរស់នៅសពថ្ងៃគេកាប់អស់ពីដើមនៅម្ដងឯងនៅម្ដងជាសាក់សីស
Est-ce que cela correspond bien à ce que vous avez montré aux enquêteurs et à vos souvenirs? I object, Mr. President. Would it be a suggestion that the prosecution actually sits down in that chair and answers the question himself? It's leading the witness so much. It's leading the witness to a platter of the answer that he likes to hear. It's nothing to do with proper examination. First he shows a tree, could be any tree, and then he sort of directs him to the map, hoping that he would confirm and tick the box. And what examination really is this? Monsieur le Président, je me dois de répondre. À la fois, d'abord, les photos, c'est bien la partie civile elle-même qui montre les endroits, donc elle est à même de confirmer ou pas s'il s'agit bien de l'endroit où les fillettes ont été exécutées. Et le plan lui-même a été établi en fonction des photos qui ont été prises sur base de données GPS. Il s'agit d'un plan tout à fait objectif, établi sur la base de ce qu'a montré au sein du site du Krang Tak Chan la partie civile. Donc je ne lui sers pas sur un plateau d'argent, c'est lui-même qui a montré ces endroits qui ont été objectivés par les juges d'instruction dans ce plan. Donc je ne vois pas en quoi l'objection pourrait être fondée. បាទអរគុណសម្រាប់បដិសេធនៅក្តីជំទាស់របស់មេធាវីការពារក្តីលោកនុនជាគឺលោកបញ្ជាកូពេដោយសារចំនួននេះគឺជាចំនួនសំប្រອບដែលផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃកំណត់ហេតុនិងឯកសារដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកធ្វើសង្កេតនៃកិច្ចការថាច់ក្រុមធ្វើសង្កេតជាមូលដ្ឋានសាក់សីឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលសួរឡើងដោយសាប្រិញ្ញារងអន្តរជាតិអំបីមិញនេះ Je vais peut-être la redire, monsieur la partie civile, parce que l'endroit où vous avez montré que les fillettes avaient été exécutées se trouve à l'ouest du premier périmètre de la prison, à environ 100 mètres du périmètre intérieur. Sur l'écran, on ne voit pas les numéros 29 et 30 qui correspondent aux... Voilà. Qui correspondent à l'endroit où ces photos ont été prises. Nous crawlons tim mouille, pan canon le bon tipi, tim crawl. Nous canons 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 le bon tipi, tim crawl. Très bien, je n'en ai plus pour longtemps. Je voudrais revenir sur le nombre de fosses et de cadavres à Krang Tak Chan. Et vous aviez dit, à l'audience du 4 février 2015, E1-256.1 à 15h16, vous avez dit qu'à partir de 1977, lorsqu'il y a eu des exécutions de masse, il y avait trop de lieux d'inhumation dans la première enceinte. Il fallait sortir de l'enceinte, il fallait aller plus loin et franchir la deuxième clôture. Donc pour enterrer les cadavres. Nous avons entendu des allégations de la part de la défense qui doutent qu'il y aurait pu avoir 10 000 personnes qui auraient été enterrées sur le site de Krang Tak Chan. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui que de nombreux corps ont été exécutés ou jetés dans les fosses à l'extérieur de la première enceinte
parce qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur. នៅទីក្រុងតាចាន់នៅពេលដែលច្រើនហួសហេតុពេកទៅគេយកទៅកប់នៅក្នុងនៅក្រៅរបងជុំទី1នឹងលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាពិតជាអញ្ចឹងមែនឬក៏យ៉ាងណាបាទបើតាមខ្ញុំនឹងមើលនឹងស្មាននឹងទិដ្ឋភាពនៅកន្លែងនោះគឺមិនអាចមើលទេຕົງប្រហែលជា 10,000 ឡើងប្រកែនៅកន្លែងក្រាំងអាចារ្យហ្នឹងវាមិនមើលអ្នកជាងហើយខ្ញុំហមដល់ភូមិក្រៅកន្លែងកប់ក្រៅនេះវាពេញភូមិនឹងអស់ខាងក្រៅនេះរបងទី1ខាងក្រៅនេះរបងផុតរបងទី1របងទី2នេះគឺភូមិខាងលិចនេះណែនពេញទាំងអស់អត់ទាន់កោះនៅកន្លែងហ្នឹងសពថ្ងៃគឺសពនៅទាំងអស់អត់ទាន់កោះឯភូមិហ្នឹង Est-ce que vous pourriez juste me dire si effectivement vous-même vous avez dû creuser des fosses à l'extérieur du premier périmètre pour qu'on puisse ensevelir des cadavres? បាទខ្ញុំបានជីកវាឲ្យទៅជីកខ្ញុំពីអ្នកតាចិនហើយយើងអាខាមួយទៀតតបីអ្នកជីកដើមនៅខាងក្រៅកន្លែង ចិត្ត 8 ក្មេងខាងបង 8 ក្មេងហ្នឹងដើមនឹងមិនអាចចាំបានប្រហែលជាស្មានប្រហែលជាអាច 4-10-20 ដើមតែប៉ុណ្ណឹងនេះប៉ុន្តែដើមវាមាន 30-20 ខាងបងហ្នឹងបាទមិនអាចចាំបានវាយូរឆ្នាំផ្លិចខ្លាយយូរពេក Dernière série de questions. Il y a aussi un rapport de localisation du site de Krang Tachan qui porte la référence D125-220. Donc c'est un rapport établi par les juges d'instruction, notamment sur la base de vos déclarations lorsque vous les avez accompagnés sur le site. Et dans ce rapport, il est dit, notamment, les fosses n'étaient profondes que de 1 à 1,50 m. C'est bien qu'après un jour ou deux, la terre s'ouvrait parce que les corps commençaient à gonfler. Lorsque l'odeur devenait insupportable, le chef de la prison, Tam demandait à Sai Sen de recouvrir à nouveau les corps et de creuser de nouvelles fosses à d'autres endroits. Est-ce que vous avez mentionné aux enquêteurs qu'effectivement, après un jour ou deux, la terre s'ouvrait parce que les corps commençaient à gonfler. ពេលប្រេះដីវាធំក្លិនថាធំក្លិនខ្លាំងចូលដល់កន្លែងគុកនឹងខ្លាំងគាត់ដើរជិតខ្ញុំនឹងគាត់ធ្វើចំហហឹមហឹមអសែន ហើយ ដបក តែប៉ុណ្ណឹង ខ្ញុំ ក៏ ដឹង ថា លបិច គាត់ មក គាត់ ដឹង ថា ឲ្យ ខ្ញុំ យក ចប់ ទៅ លុប អា ដី ធំ ក្លិន មិន ឲ្យ ប៉ះ ពាល់ អ្នក ដែល ជាប់ គុក នៅ ក្នុង គុក បាទ មិន ឲ្យ ដឹង មិន ឲ្យ ក្លិន មក នៅ ក្នុង គុក À l'inverse, une fois que les corps étaient complètement décomposés et qu'il ne restait donc que des os, est-ce qu'il y avait au contraire un phénomène d'affaissement des fosses au lieu de gonfler, elles s'affaissaient? Est-ce que c'est juste ou pas? Stop. សូមឆ្លើយឲ្យបានយឺតបន្តិចព្រោះអ្នកបកប្រែភាសាដែលលោកឆ្លើយដែលចម្លើយដែលបកឆ្លើយនឹងមិនទាន់ទេខ្ញុំសូមលោកបន្ថយល្បឿនមកឲ្យលោកនិយាយឲ្យបានយឺតជាងនឹង បាទកណាស្អុយរលួយចឹងទៅវាផត់ទៅក្រោមអស់ចឹងថ្ងៃក្រោយគាត់វាយ 4-5 នាក់គាត់វាយដាក់ថែមពីលើហ្នឹងវាយថែមពីលើហើយគាត់ប្រើខ្ញុំឲ្យទៅលុបខ្មោចហ្នឹងបាទ
Donc si je comprends bien, des fois c'était utilisé à plusieurs reprises. Une fois que certains cadavres étaient décomposés, cela créait de la place pour pouvoir mettre d'autres cadavres au même endroit et puis les ensevelir. Est-ce que c'est juste ce que j'ai bien compris? Alors, vous aviez mentionné le rôle de Sun ou de Sorn comme messager du district du centre de sécurité de Krang Thap Chan. Lui-même, quand il a témoigné, il nous a dit qu'il n'était pas chargé d'amener des messages du bureau du district à Krang Thap Chan, mais seulement du centre de sécurité de Krang Thap Chan au bureau du district. Et il a dit qu'il y avait un messager du district qui s'appelait Hol, qui était chargé d'amener des messages à Ta'an au centre de sécurité de Krang Thap Chan. Est-ce que ce nom de Hol, un messager du district, vous dit quelque chose? Bien, je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. J'espère comme ça que la partie civile pourra rentrer chez elle. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. J'espère comme ça que la partie civile pourra rentrer chez elle. Monsieur le Président, មេធាវីការពីក្តីជាដំបូងនេះក្រុមមេធាវីការពីក្តីលោកនួនជាសូមអញ្ជើញFor organizational purposes, just a second. May I just ask the question, how long the defense teams expect to need this afternoon? Because since we just heard the civil party has to go home today, we might have to make arrangements of some sort or decisions of some sort. To be honest, I think we should be able to finish four-ish. Mr. Civil Party, just to follow up some questions that were just asked by the prosecution about the matter of decomposing bodies. I just heard you gave the number of 10,000 people who were executed. You've also testified that you have been back on more than one occasion to the site which is now the memorial center of Krang Thap Chan. When you go back there, you see a stupa, and you see a big box, I would call it, with skulls. Do you know how many skulls there are in that stupa at the Krang Thap Chan Memorial Center? Do you know if there is a difference between the number that you just gave, 10,000, and the amount of skulls that you can see in that stupa? ប៉ុន្តែមកមើលជាងខ្ញុំមិនសូវនេះបានដែរវាដូចមនុស្សវាច្រើនឥឡូវវានៅអាភូមិខាងលិចតាន់មានកោះមួយក្នុងដៅនៅពេញហ្នឹងគាត់ For
fine. Mr. Witness, civil party, I would like to ask you a few questions about something that happened after your testimony before the trial chamber on 6th of February this year. I'm referring, Mr. President, to D219/203. It probably should be an E something number, but I don't see it on my document. It's ERN 01072285, and it contains a report of a off the record conversation. I think that you know to which document I'm referring. Mr. Civil Party, do you remember that right after you gave testimony on the 6th of February, that you were approached by an investigator of the tribunal? So after you finish your testimony, you didn't have a chat with a foreign investigator who was accompanied by a Khmer interpreter? Once you were done testifying, you had, I believe, a 10-minute talk with an international investigator asking you some questions about your testimony, somewhere, I presume, outside of this building. Is that correct? Do you remember he asked you questions about Rat and about her mother, Yina? Did he ask you what, according to you, had happened to Ra during her time at Krang Tat Cham? Do you remember you spoke to him about this? And do you remember what you told him? And did you tell him that was that you believed that that was all Duke done to Rat? So just to be clear, and I think I can ask this question in an open session, Rat was never raped by Duke, according to you. Is that correct? បាទអត់ទេដល់តែលេះលោះដែរលុកលើលោកក្រោមដែរបាទ
Did you speak also informally with this investigator about a female prisoner called Run? បាទអ៊ីរ៉ង់ក៏ដល់បានញ៉ៃមួយគ្នាហ្មងអ៊ីរ៉ង់គាត់បាទដល់ឡើងថាគាត់រត់ចេញពីឆ្នាំ 70 And did you tell this investigator informally that you believe that Ron had had a love affair with An during her time as a prisoner at Krang Ta Chan? Did you tell this investigator also her current address? And in other words, that she is still alive? But no, soft night got no, frog long tongue, cat port. Do you know whether Ron or Ron was a friend of another female prisoner who used to be a medic, a nurse, named Hung? So Ron was in fact a friend or a co-female prisoner with Han, and both women you're saying are still alive, is that correct? Han ជា មិត្ត ភក្តិ គ្នា ឬ ក៏ ថា ជា អ្នក ជាប់ គុក នារី ដូច គ្នា ហើយ ឥឡូវ ពួក គេ នៅ រស់ រៀន មាន ជីវិត អញ្ចឹង មែន ទេ? បាទ នៅ ទាំង 2 ឯ Han ក៏ នៅ ឯ Ron ក៏ នៅ And would you also be able to give the exact address, exact current address of Han? That's a new objection for me, Mr. President. I think it is very relevant because it seems that both females were incarcerated at Krang Ta Chan. I think we even have their names on possible Krang Ta Chan documents. And locating both women and possibly having them give testimony would, I think, contribute to a certain the truth. So I think my question as to the whereabouts of both Han and Run are very relevant questions. បាទអង្គជំរះបដិសេធនៅក្នុងដែនចំទាស់នេះហើយអង្គជំរះក៏ត្រូវការស្ដាប់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលពីររូបនឹងដែរប្រសិនបើមានលទ្ធភាពអាចនឹងស្វែងរកបាននោះវាជាការល្អប្រសើរសម្រាប់បញ្ជាក់នៅស្វែងរកការពិតនៅរឿងនេះសាក់សីស្ដាប់ផ្ដល់ចម្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់មេធាវីការពារក្តី
Please write the address on a piece of paper, if you know it. Can somebody please provide the witness with a piece of paper so he can write down the address for us? Madame la juge Fenn, je pense que vous vous souviendrez qu'à l'audience du 4 au 6 février, il avait été dit par la partie civile qu'il ne savait pas lire. Enfin, c'est ce qui me semblait, donc je ne sais pas s'il est capable d'écrire. Witness, could you tell the your help the full name of the person? Apparently, this only is the first name, or which wouldn't perhaps allow to identify the person. So, if you know more than this part of the name, អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អ៊ីអ៊ីខាងដើមហ្នឹងអត់មែនតកូលគាត់ទេហៅឈ្មោះអ៊ីចែមីងអញ្ចឹងទេបាទលោកប្រធានហ្នឹងខ្ញុំនៅហ្នឹងគាត់ហៅគាត់អ៊ីហ៊ុនអ៊ីហានហៅរ៉ាពីហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម័យបច្ចុប្បន្នខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះគាត់ហើយបាទគាត់បើមានពេលឱកាសទៅណេចាំតាក់ទងដល់ខ្ញុំខ្ញុំជូនគាត់ទៅដល់ផ្លេតបាទ
ไอ้โลกปรับแต่สรอกอย่างนั้นโลกสกอลคุมว่าคุมหรือก็ภูมิในก่อนเนยตีชมรุนนะบัตรสกอลโลกเทียนมาในระบาดราคาก่อนจะเซชมรุนนะเซคุมดังภูมิเนี่ยเซในแทมจะเซแล้วก็ได้ก็ได้สะอาดจะเซมันทำไม While the civil party is doing that, for the record, this may be of assistance. The person who I believe he's referring to, the full name can be found at document D157.7, Khmer 00270874. English 00866-433-334, French 00872-808-09. This record has both the full name and also a reference to the nickname that has been used here. So to the extent we're looking for a full name, that's probably it. Thank you, Mr. President. This is Civil Party. I have one more question about possible other female prisoner. Do you know a female prisoner with the name Set Yen? Fine. Returning now to these three other female prisoners, Rat, Rum, and Han. Do you know, or are you able to recollect, if these three women were in a position to see the same things in relation to the activities of the guards as you? Yes, we have established that, Mr. Civil Party, but my question is, would you be able to tell the chamber whether these three women were able, in that period, to see the same things that the guards were doing as you have described? มานั่งย่อมอธิษฐานได้จมูกรุกก่อนมา
I'll move on quickly. Did I hear you testify earlier this afternoon, Mr. Civil Party, that one of the tasks of the guards was also to arrest prisoners? ឬក៏ចាប់អ្នកជាប់គុកតាំងចឹងមែនទេបាទចឹងមែនគឺតកងតបមានសិទ្ធិនៅកន្លែងនោះគឺកាប់សម្លាប់ចាប់ជួននេះលើកងតបទាំងអស់បាទ So is it your testimony that these soldiers were not only guarding Krang Ta Chan but also went to the villages to arrest the prisoners? But yom dang kot yo khum chai chngai da khum san nong lik bo nang khoeng kot yo vi khang san nong nyak nyot ke su nea to na san nong ba Last question, Mr. Civil Party, you said earlier this afternoon that one of the reasons that you are testifying is that you are that you would like to contribute to the search for the truth and that you are in fact acting on behalf, and I quote you, of those lost souls. In that mission that you described, is it all right for you to also sometimes not tell the truth to the chamber? You said earlier this afternoon that it is your mission to assist the search for the truth and that you are acting on behalf of lost, of those lost souls. My question to you in this mission that you see that you have, is it allowed sometimes or more often to not tell the truth about what you saw during the decay to the chamber? អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះដែរឬទេបាទរឿងជាពិតប្រាកដទោះបីខ្ញុំកុហកដឹងកុហកមានការអីក៏មានន័យអីរឿងនេះគឺខ្ញុំអត់មានប្រឡាយហើយក៏អត់មានកុហកភូតភរនៅតុលាការដែរវាអត់មានផលប្រយោជន៍ទៅលើរូបខ្ញុំប្រមាណគឺអត់មានទេមានតែដើម្បីខ្ញុំឡើងមកនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករងគ្រោះអតីតទូតទាំងប្រទេសដែលស្លាប់ដោយចំនួន3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដោយក្រុមការដឹកនាំដែលមិនដែលស្គាល់នោះទៅប៉ុណ្ណឹងទេបាទ One last follow up question I asked Sotsaing this afternoon whether he spoke to the chamber the truth the whole truth and nothing but the truth Have you done the same thing មិននិយាយកុហកអ្វីទាំងអស់តើលោកនិយាយដូចគ្នាចឹងមែនទេនិយាយតែការពិតហើយមិនមាននិយាយការកុហកអ្វីទាំងអស់ចឹងមែនទេបាទទាំងណាដែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំថាពិតទាំងណាដែលខ្ញុំមិនឃើញខ្ញុំអត់និយាយទាំងណាដែលឃើញមិនខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំថាខ្ញុំឃើញដោយពីប្រហែលថ្ងៃមុនមុននេះខ្ញុំបានស្ដាប់អាស៊ីសេរីផ្សាយពីបញ្ហាតែឈិនអនឡុងវែងគាត់មកសិទ្ធសទ្ធិកម្មគាត់និយាយវាថាកុំអោយតឡាការជឿនឹងសោយសែនពេកនៅក្មេងណាស់វានិយាយមិនដឹងអីទេកុំថាខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំដឹងទាំងអស់កន្លែងណាក៏ខ្ញុំដឹងដែរអត់ក្នុងគុកក្រាំងអាចារ្យបាទThank you, Mr. President. So, open loop at the end.
J'attendais, Monsieur le Président, que vous me donniez la parole. J'ai le lourd fardeau d'être la dernière. Je comprends que le temps est compté et je vais essayer d'être rapide. Je vais avoir besoin de l'aide de Monsieur l'huissier, puisque je comprends que Monsieur de la partie civile ne pourra pas lire. Donc, est-ce que c'est possible de venir prendre le document E319.1.24 et de lui lire à l'oreille les questions et réponses 107 et 108 que j'ai identifiées en jaune sur l'exemplaire en Khmer, de façon à ce que je puisse ensuite lui poser des questions. Merci, Monsieur le Président. Je ne vois pas trop l'intérêt de lui souffler à l'oreille ce qui a été écrit. Il suffirait que l'avocate lise en français. Ce sera traduit simultanément par les interprètes. Je remercie Monsieur le Procureur de me donner ce truc aussi évident. Mais si je le fais, c'est pour une raison. C'est puisque nous avions, il me semble, cette pratique devant la Chambre de ne pas parler, de ne pas donner l'identité de victimes supposées de viol. Et c'est pour cette raison que je prends cette précaution. Voilà, tout simplement. Donc je n'ai pas l'intention d'évoquer les noms et c'est une manière d'éviter d'avoir à dire les noms en audience publique. Donc, est-ce que c'est possible que l'on lise à M. Seysen les deux questions 107 et 108 et qu'ensuite je lui pose des questions et je demanderai à ce qu'il fasse très attention à ne pas donner le nom des personnes mentionnées. Monsieur l'huissier, est-ce que c'est bon? Je peux poser ma question maintenant. Les deux questions et réponses ont été lues à Monsieur Seysen. Monsieur Seysen, ma question est la suivante. Est-ce que vous vous souvenez avoir indiqué qu'une prisonnière avait été violée à Krang Thap Chan, d'avoir donné ce nom devant les co-juges d'instruction et d'avoir dit que ce viol vous aurait été rapporté par la mère de cette femme qui aurait été violée. Est-ce que vous vous souvenez avoir tenu ces propos devant les enquêteurs des co-juges d'instruction? បាទនៅចាំប៉ុន្តែគាត់មិនបានរំលោភទេគាត់បានថាមនុស្សលើកលោកក្រោមបាទឯងមួយស្រ្តីនឹងពីរនាក់យកទៅសម្លាប់ហ្នឹងបានគាត់រំលោភហើយបានគាត់សម្លាប់យកក្របមកម៉ាស៊ីនញុកហើយបានគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅលុកខ្មោចហ្នឹងអាហ្នឹងបាទខ្ញុំចាំបាទ Pourquoi
Monsieur Saïfen, avez-vous dit que cette femme avait été violée alors que, selon vos déclarations aujourd'hui et à l'audience la dernière fois, elle n'a pas été violée? Pourquoi avoir tenu ces propos devant les juges d'instruction si ce n'est pas vrai? Pour la suite de votre déposition, monsieur le témoin, je vous demande de ne pas citer de nom. Pourquoi, je répète, avoir dit devant les juges d'instruction que cette femme avait été violée, si ce n'est pas le cas? Pourquoi? Merci, monsieur le président. Encore une fois, nous essayons vraiment de laisser la défense faire son travail, mais pour être complet, il faut aussi dire que ce n'est pas les déclarations qu'a faites Saïsen lors de son audition du 5 et 6 février, qu'il a été très longuement entendu sur ces viols et sur la réalité de deux incidents séparés. Nous avons passé beaucoup de temps à démêler ces incidents et il a fini par faire la déclaration suivante. Pour ce qui est, et je ralentis, madame le juge Fens, pour ce qui est de la personne dont il s'agit, tout ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont joué avec elle, mais je n'ai pas vu d'acte sexuel en tant que tel. Et enfin, sur question de notre confrère Copé à la fin, lorsqu'il lui a été demandé s'il avait assisté au viol de cette personne, il a déclaré de manière très claire à 9h35, non. Donc, encore une fois, nous avons eu largement l'occasion de débattre de cette question. Monsieur Saïsen s'est exprimé à l'audience sur cette question les 5, 6 et 7 février. L'état de son témoignage sur cet incident est clair. Il n'a pas vu cette personne se faire violer. Il a indiqué que cette personne aurait subi des attouchements sexuels. Point barre. Je voulais simplement faire cette clarification pour le PV d'audience. Je vous remercie. Oui, monsieur le président, j'entends bien les clarifications de ma consoeur et j'ai envie de dire que ma question est d'autant plus pertinente puisque ma question n'est pas de savoir, de revenir sur des faits dont monsieur Saïfen a déclaré maintenant à plusieurs reprises qu'il n'a pas été témoin. Ma question est de savoir pourquoi, puisqu'il nous a dit ne pas en avoir été témoin, pourquoi il a dit devant les enquêteurs du bureau des causes d'instruction, pourquoi il a dit une chose qu'il savait ne pas être vraie. Donc c'est ma question et je pense qu'elle est pertinente, puisque dans les questions qui ont été posées par son avocate, on a indiqué qu'il n'avait pas de raison de mentir ou de dire des choses qui n'étaient pas vraies. Donc, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'il a tenu ces propos qui n'étaient pas vrais devant les juges d'instruction? Pourquoi? Je ne demande pas le détail de faits qu'il n'a pas vu, dont il n'a pas été témoin. Je demande pourquoi il a donné une version qui ne correspond pas à la réalité. មកពីអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃកាល័យខំស៊ើបអង្កេតនឹងស្ដាប់ច្រឡំហើយសរសេរច្រឡំឬក៏គាត់ឆ្លើយច្រឡំកាលពីពេលធ្វើកំណត់ហេតុនោះបើសំណួរតដែលមិនឆ្លើយតបទេដល់មិនរកប្រាប់ពីនេះព្រោះលោកបានឆ្លើយរួចហើយថាលោកថាមានការភ័ន្តច្រឡំ
Monsieur Saïsan, vous indiquez qu'il y a eu confusion à ce sujet, mais dans votre réponse 107, vous avez indiqué que ce viol vous aurait été rapporté par la mère de la femme en question. À l'attention de la Chambre et des partis, je renvoie au document E3-5844, qui est une audition de la mère de la victime supposée, en Khmer, ERN 01-056-209, en français 01-05-66-17, en anglais 01-05-66-15. Il s'agit d'une transcription partielle de l'audio de l'audition de cette personne. Ma question est la suivante. Monsieur Saïsen, vous dites que la mère de cette personne vous aurait évoqué une agression sexuelle ou un viol dont elle aurait été victime. Si je vous dis que la mère de cette personne a été entendue par les enquêteurs des juges d'instruction et qu'elle a dit qu'aucun de ses enfants n'a été maltraité à Krang Tat Cham, quelle réaction cela suscite chez vous et est-ce que vous confirmez que la mère de cette personne vous a dit que sa fille a subi une agression quelconque? Donc, vous maintenez que c'est la mère de cette personne qui vous aurait rapporté ces attouchements. C'est bien ça? Et au sujet de la mort supposée de cette personne, c'est aussi une confusion? Dans la partie qui vous a été lue de votre déclaration, vous évoquez aussi la mort de cette personne. Donc je demande s'il s'agit également d'une confusion avec les enquêteurs sur ce que vous avez dit au sujet de la mort supposée de cette personne. Ce que qui vous avez rapporté? Oui, si une personne vous a raconté, il ne s'agit pas du nom des victimes. Donc, si c'est une personne qui vous a rapporté l'histoire, oui, vous avez le droit de le dire. Bah,
got prap nyom chang Est-ce que je dois comprendre que vous n'avez pas assisté à la scène, mais que c'est quelqu'un qui vous a rapporté la scène? C'est bien ça? Et quand vous dites « Duc », c'est « petit Duc » ou « grand Duc » Merci, Monsieur le Président. J'ai l'impression que là, on est en pleine confusion, justement. On a parlé d'un viol, ou plutôt d'attouchement à l'encontre d'une personne. Maintenant, c'est la partie civile à expliquer la mort de deux femmes venant de l'unité itinérante, je crois, violées avec des munitions et que c'est l'autre qui lui avait dit. Donc, il faudrait quand même que dans les questions qui sont posées, on fasse bien la différence entre les deux événements, parce que là, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus compliqué à suivre. Mes questions visent précisément à clarifier la situation. Counsel, how many more questions do you have? Question of time management at the moment. Je pense que si on me laisse terminer cette ligne de questionnement, que je clarifie, j'en ai pour 5 minutes sur ce point et j'ai 3 minutes de questions sur un autre point. Normalement, si c'est clair, si les réponses sont claires, maintenant. បាទហើយឡើយនឹងដោយមានបញ្ហាចបុកចបល់មិនច្បាស់លាស់ហើយសំណួរហ្នឹងក៏ជាការលំបាកសូម្បីតែយើងជាប្រធានអង្គខ្ញុំរះក៏ស្ដាប់នៅសំណួរដែលសួរបែបនេះមិនបានដែរ
ដើម្បីឲ្យប្រកាសពជាទី1សូមឲ្យលោកស្រីមេធាវីតាំងសំណួរណាដែលជាសំណួរអាចសួរសាធារណៈបានចំពោះដើមដឹងរដ្ឋប្រពៃណីរូបនេះមុនហើយចំណែកឯអស់ហើយលោកស្រីប្រាប់ថាអស់ហើយលោកស្រីចង់តាំងសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរំលោភផ្លូវភេទនៅក្រាំងតេជាន់លោកស្រីប្រាប់យើងដើម្បីយើងសម្រេចថាធ្វើជាអសាធារណៈដើម្បីឲ្យលោកស្រីសួរនាំឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីយើងក្តាប់បញ្ហានេះឲ្យបានជាមុខប្រយោជន៍
Et vous n'aviez pas d'armes dans le cadre de votre surveillance? Est-ce que les autres prisonniers savaient que vous aviez comme rôle de les surveiller? Donc, ils pensaient que vous étiez un prisonnier avec le même statut que les leurs, c'est bien ça? Tout à l'heure, répondant à une question de votre avocate, vous avez indiqué que vous ne ressentiez aucune haine et aucune colère à l'égard des gardes de Krang Tat Chan, en expliquant que vous aviez témoigné sans haine. Je voudrais vous lire une déclaration que vous avez faite devant des SECAM. Il s'agit du document E3-4846, ERN en français 00943276, ERN en anglais 00527786, ERN en Khmer 00527748. Et répondant à une question sur ce que ça faisait de parler des faits, vous dites, vous répondez, simplement de penser de nouveau à ces trois années et surtout d'entendre de nouveau les noms de ces personnes, je suis tellement en colère. Mes souvenirs sont clairs. J'ai vraiment envie de prendre une hache et de tuer tous ces gens. Fin de citation. Est-ce que vous serez d'accord avec moi, M. Zaysen, pour dire que lorsque vous avez été interrogé par des SECAM, vous avez tenu un autre discours que aujourd'hui devant cette chambre? Ce n'est pas une objection, mais à l'attention du public qui nous suit, simplement signaler que cette interview donnée à DCCAM date de 2004. Merci. Donc, je répète ma question, hein, le cas échéant. Est-ce que nous sommes d'accord que le discours que vous avez tenu devant des SECAM et aujourd'hui devant cette chambre n'est pas le même? Je voudrais passer maintenant aux questions sur les clarifications sur le viol. En l'occurrence, je pense que je peux poser mes questions sans passer à huis clos, puisque je n'ai pas l'intention de donner les noms, mais je laisse l'appréciation à la Chambre. Mais je pense que je peux poser mes questions sans faire référence au nom des victimes supposées. បាទបើព្យាយាមនិយាយមិនចំឈ្មោះបុគ្គលជាការល្អ
ប៉ុន្តែសូមឲ្យតាំងសំណួរឲ្យបានស្រួលស្ដាប់ដំណងអ្នកស្ដាប់នោះក៏អាចស្ដាប់សំណួរយល់ហើយនឹងអាចឆ្លើយតបបានពីព្រោះសំណួរកន្លងមកពិតជាពិបាកស្ដាប់ជាភាសាខ្មែរគឺពិតជាពិបាកស្ដាប់ណាស់ញែកវាមិនដាច់រវាងបញ្ហាករណីទាំងពីរហ្នឹងវាអត់ដាច់ពីគ្នាទេអញ្ជើញ J'espère que M. le Président, qu'en français, elles sont moins alambiquées. On va en tout cas essayer de le faire. M. Seysen, vous avez parlé de trois personnes. Une personne aurait été victime d'attouchement et deux autres femmes auraient été victime de viol avec des grenades M79. Est-ce que nous sommes d'accord que vous faites la différence entre la femme dont vous dites aujourd'hui qu'elle a été victime d'attouchement et deux autres femmes qui auraient été violées avec des grenades? Est-ce que vous faites la différence entre les deux? បានចែកឲ្យដាច់បានទេពីករណីខុសគ្នានេះបាទបែងចែកដាច់បានខ្ញុំដឹងតែពីអ្នកដេញរំលោភហើយញាប់ក្របបានម្ជិននឹងដឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំឈ្មោះផ្ទាល់ហ្មងហើយគាត់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅលុបខ្មោចហ្នឹងហើយម្នាក់នោះគឺបានធ្វើនៅលុបលើលុបក្រោមទៅ D'accord, donc mes questions maintenant vont se porter sur les deux femmes dont vous dites qu'elles ont été violées avec des munitions. Est-ce que c'est bien clair? Vous vouliez rajouter quelque chose, M. Seysen? Est-ce que c'est bien clair que maintenant, je vais vous poser des questions sur les deux femmes dont vous dites qu'elles ont été violées avec des munitions? បាទខ្ញុំបានប្រាប់ពីម្ដងតែចំណុចពីរអ្នកនឹងប្រាប់តាំងពីខ្ញុំឡើងមកសិទ្ធិកម្មលើកទី1មកលហូតបានប្រាប់2ដង3ដងចាំចាំត្រាប់ទំនួសិនណាចាំត្រាប់ទំនួសឲ្យឆ្លើយតបឆ្លើយខ្លីៗបានហើយណាឆ្លើយឲ្យចំនឹងទំនួចាំបាច់តែត្រូវឆ្លើយតបនឹងទំនួចបានហើយចាំត្រាប់ទំនួសិនណា Donc, je ne vous demande pas de revenir sur la description des faits. Je vous demande de préciser à la Chambre comment, donc, premièrement, est-ce que vous avez assisté à ces viols? Tout à l'heure, lorsque nous avons évoqué ces faits, j'ai entendu que donc vous avez raconté les faits, mais que vous n'aviez pas personnellement assisté au viol. Est-ce que vous pouvez préciser à la Chambre, est-ce que oui ou non, vous avez assisté à ces viols? Donc, est-ce que vous pouvez préciser, il s'agit bien de petits ducs qui
vous aurez raconté les viols qu'il aurait commis et qu'il vous aurait demandé si vous aviez vu les M79. C'est bien ça. Et c'est le jour même des faits qu'il vous aurait raconté ces viols. À l'audience du 5 février 2015, vous avez indiqué que Petit Duc et Sao Tseng auraient commis ces viols. Qui vous a dit que Sao Tseng était présent également lors de ces viols? Monsieur le Président, j'en ai terminé de mes questions, mais je formule une requête, à savoir que je pense que compte tenu de la gravité des faits allégués et du fait que les deux témoins sont à disposition, je pense qu'une confrontation pourrait être organisée pour que la vérité puisse surgir. Allô. Monsieur le Président, la requête n'est pas claire. Il est tard. Est-ce que la défense ne pourrait pas faire une demande écrite? Elle demande une confrontation entre deux témoins. Ici, nous avons une partie civile, nous avons d'autres témoins. On a parlé de doute, on a parlé de Sao Tseng. Franchement, je ne sais pas de quoi il s'agit et je ne pense pas qu'il y ait lieu d'avoir un long débat là-dessus, alors que la défense pourrait très bien faire une requête écrite. Merci. Je n'ai aucune difficulté pour faire une requête écrite. Merci, Monsieur le Président. Nous aurions aussi besoin un petit peu de temps pour réagir à cette requête. Et bien évidemment, si elle est faite de manière écrite, ce sera plus simple pour nous. Nous avons entendu longuement les deux personnes aujourd'hui, Sao Tseng d'un côté, Sai San d'un côté. Tous deux ont des positions différentes. Je ne vois pas en quoi leur confrontation dans la salle d'audience va apporter quelque chose à la manifestation de la vérité. Sans compter que cette requête est particulièrement tardive, nous sommes au procès, il y a eu une instruction, il y a eu un temps extrêmement long entre l'ordonnance de clôture et notre audience aujourd'hui. La défense avait une multitude de possibilités pour formuler ce genre de demande sur les faits, ce qu'elle n'a d'ailleurs jamais fait pendant l'instruction. Donc, de ce côté-ci de la barre, nous considérons que c'est tardif et inutile à la manifestation de la vérité. Nous allons nous retrouver dans une salle d'audience avec deux personnes qui vont chacun camper sur leur position et nous allons faire perdre un temps précieux à la Chambre et au parti. Donc, a priori, sous réserve de pouvoir compléter nos observations par écrit si la défense de Kyo Sampan décide de faire une requête par écrit, nous nous opposons sur le principe de cette confrontation. If I may briefly reply, Mr. President, I think it might be a good idea to have a written procedural proceedings about this. What I do would like to note is that I don't think the civil party lawyers should be the one discussing this issue. I think there are two lawyers, both representing one civil party and the other civil party.
It would be a conflict of interest, I think, if one lawyer now is giving the position on, I think, both civil parties. We all agree, you have actually asked that question to the civil parties, that there is a conflict of interest. So I don't think it is appropriate for one lawyer now to speak about this issue. However, having said that, it's late. We won't have a confrontation right now, I think. That's unfeasible. So maybe we should have a written proceedings about this. បាទឥឡូវនេះអង្គជំរះសម្រេចឲ្យម្ចាស់សំណើដាក់សំណើរបស់ខ្លួនជាលិលិអសមកអង្គជំរុញជំរះបាទជាបន្តទៅទៀតលោកសយសែនក្នុងនាមលោកជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវិនីលោកអាចថ្លែងរៀបរាប់ជូនដល់អង្គជំរះស្ដាប់អំពីរឿងហេតុ ទំនាក់ទំនងទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោទពីរូបនួនជានិងខៀវសំផនដែលបានប៉ះពាល់ដល់លោកនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលនាំឲ្យលោកសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវិនីប្តឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តនិងជាសម្ភារៈពីជនជាប់ចោតនិងអំពីស្ថានភាពពិសេសនកម្មដែលមានចំពោះលោកជាអាចខូចខាតខាងរាងកាយសម្ភារៈឬផ្លូវចិត្តនិងជាផលវិបាកដែលផ្ទាល់ពីបទឧក្រិដ្ឋ ជាភ្នាក់ការកម្មតខ្លួននឹងបានកើតមានប្រតិកម្មរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើមានលោកមានបំណងធ្វើដូច្នេះសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំអរគុណលោកប្រធានបានឡើងមកសវនាការនៅកលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះដើម្បីជំនួសមុខឲ្យអ្នកដេញរងគ្រោះទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសគ្រប់កន្លែងមិនថានៅក្រាំងអាចារ្យមួយទេបានបំភ្លឺ នឹងគ្មាននៅដែលអ្នកបានចែកថានឹងឆ្លាប់តទៅពីសំណន់នោះទោះបីរូបខ្ញុំឡើងមកតឡាការនេះក៏គ្មាននឹងផលប្រយោជន៍បុគ្គលខ្ញុំផ្ទាល់ក៏អត់មានដែរមានដើម្បីក្មេងចកក្រោយអ្នកនឹងអ្នកឆ្លាប់តចែកថារបស់បានឆ្លាប់កើតជាតិក្រោយក្រោយកុំអោយប៉ះពាល់ប៉ះសង្គមដែរមិនដាល់ឃើញអត់ដាល់ឃើញមិនថានិយាយមិនចង់ឃើញខ្ញុំនិយាយចង់ឃើញបាទអានឹងចប់មួយខ្ញុំសុំសួរចំនួននៅលោកតឡាការថា រឿងអីបានកាត់កាត់សង្គមដែលមហូបអាហារស្បៀងមានគ្រប់មុខម៉ែម្យ៉ាងដែលមិនអត់ម៉ែប្រជាជនដែលទូទាំងប្រទេសហើយសម្រាប់ចោលសង់សួរចំនួនគាត់ចោលទៅលើគាត់វិញទៅប៉ុណ្ណឹងឲ្យគាត់ឆ្លើយមកពួកខ្ញុំបានតែមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរបាទសូមអរគុណលោកសយសែន អង្គជំរះលោកជំរាបលោកសយសែនថានៅក្នុងសកម្មភាពការពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីអង្គជំរះបានស្ដាប់ជនជាប់ចោតទាំងពីរនាក់ឆ្លើយបញ្ជាក់អំពីការដែលពួកគាត់រក្សាសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបអង្គជំរះបានកត់សម្គាល់ថាជនជាប់ចោតទាំងពីរនាក់នៅតែរក្សាជំហររបស់ខ្លួនបន្តអនុវត្តសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបដដែលលើកលែងតែនឹងរហូតដល់ពេលណាដែលអង្គជំរះ ตลาดระบงตัวตัวบ้านปรมีนเจ๊ะฉบับปีจุนจบเจ้าหรือปีสหเมธวีกาเปียกระไดระบบจุนจบเจ้าในขนมสัมนาการนุ๊กอองยมเรียบ้านกำหนดเอาจุนจบเจ้าหนึ่งหรือเมธวีกาเปียกระไดจุนจบเจ้าเตรียมการตัวโคเตอร์โครงการจุนดำนังระอองยมเรียบเอาตอนไปเวลีหนึ่งมีประสิทธิภาพประสันบายจุนจบเจ้าสำหรับเรียบบังสิทธิ์ในเงียบมันสลายตอบเขาจะรวมสลายตอบแต่หนึ่งสำนูในดำเนินการนำมุ่ยในการดำเนินการในเจ็ดวิธีสัมนาการ ដូច្នេះអង្គជំរះមិនអាចបង្កប់បញ្ជាឲ្យគាត់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកបានទីនេះពីព្រោះនៅស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគាត់រក្សាសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលជប់សម្រាប់ហើយអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសកម្មភាពលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃប្រហោះទី25/6 ខែមីនាឆ្នាំ2015
ចាប់ផ្ដើមធ្វើពីម៉ោង9ព្រឹកតើសํานักការនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសํานักការបន្តស្ដាប់ទៅខៃកម្មដើមម្ដងរាប់រឿងនេះដែលមានហាសនាមពីTCC ពីបំបីរយ80សូមភាគីនឹងជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះហើយអង្គជំរះសូមអរគុណលោកសុយសែនដែលបានមករកទៅខៃកម្មនៅជាមួយមកអង្គជំរះក្នុងឋានៈដើមម្ដងរាប់រឿងនេះបន្ថែមកន្លះថ្ងៃមកនេះហើយសក្តិកម្មរបស់លោកអាចនឹងរួមភាគទីនក្នុងការស្វែងរកការពិតនៅរ